Qu'est-ce qui fait rire? Qu'est-ce qui fait penser à rire? Qu'est-ce qui fait rire et penser? Et après? Qu'est-ce qui fait penser à pourquoi on rit? Hein? Vous êtes même pas capable de poser des questions puis écouter. Vous écoutez pas. Ça pose des questions puis ça écoute pas. Fait que ça, c'est n'importe quoi. Moi, je m'en vais. L'humour, c'est comme prendre un apéro. T'sais. Non, mais c'est d'abord comme un amuse-gueule, préliminaire au rire, à gorge déployée. Oui, mais en même temps, ça peut être céleste, ça peut être démoniaque. Okay, bon, on s'est trompé d'abord. Mais pour m'en dire que la mère m'a toujours dit de dire « Dehors, me semble! » Mais laisse faire tout dire parce que la mère te disait tout le temps « Ah ouais, d'abord! » Et non! Avec nos doctorants en sciences de l'humour, avec recul, je veux savoir si, selon toi, notre travail sur notre œuvre a été un travail d'orfèvre. Plus souvent qu'autrement, on vit. Par la clarté de nos propos, mais oui, effectivement, on a toujours été comme des médecins sans frontières de l'humour. Oui, et sans la contribution du public. You wanna fight? Je suis Angelo Cadet. Je suis Didier Lucien. Et vous écoutez votre masterclass.